Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur notre chaîne Compar l'Islam, chaîne qui vous enseigne cette religion, qui vous enseigne le Coran et les règles tajwid. Alors bienvenue, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous sommes dans le cours de At-Tajwid wa al-Quran, avec le Coran wa Tajwid. Et vous savez, on a étudié les règles de An-Nun, As-Sakin et du Tanwin. Et nous avons aussi appris la règle de An-Nun Wal-Mim al-Mushaddadatain, lorsque Noun et Mim portent de l'accent. Et nous sommes avec le chapitre Ahkamul Mimi As-Sakina, la règle de Mim As-Sakin, Mim Muet, Mim qui porte Sukun. Nous avons appris les deux premiers vers de ce chapitre. Le Cheikh il dit Wal-Mimu in taskun taji qabla al-Hijja, la alif il-layinati l-Hijja. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغام وإظهار فقط. Lorsque ميم porte سكون, elle vient avant toutes les lettres de l'alphabet, excepté alif, pour ceux qui sont deux d'intelligence. On ne peut pas avoir ميم ساكن et avoir alif devant, parce que alif vient pour prolonger une lettre qui porte fatha. Lorsque ميم porte سكون, alors il n'est pas question que Alif vienne devant. Les règles de Al-Mim As-Sakin sont trois. On a vu Ikhfa, Idgham, wa Idharun Faqat. Aujourd'hui, nous allons prendre la première règle de Al-Mim As-Sakin. Le Cheikh il dit Fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i wa sammihi ash-shafwiyya lil-qurra'i. Il dit Fal awwal, la première règle de Mim As-Sakin, Al-Ikhfa, c'est al-ikhfa qu'on appelle la dissimulation. Hein, qu'on appelle la dissimulation, c'est-à-dire al-ikhfa. Ensuite, il dit indal ba'i. Et al-ikhfa est fait, c'est-à-dire que cette dissimulation elle est faite lorsque la lettre ba vient après mim as-sakin. Quand mim as-sakin vient, devant il y a ba, on applique ce qu'on appelle al-ikhfa. Donc, c'est lorsque la lettre ba vient. Nous avons appris à travers les règles de An-Nun As-Sakin, Al-Ikhfa aussi, avec 15 lettres. Mais ici, au niveau de Mim As-Sakin, c'est une seule lettre qui vient après Mim As-Sakin pour qu'on applique ce qu'on appelle Al-Ikhfa. Donc, c'est la lettre ba. Ensuite, il dit Wasamihi Shafwiya lil-Qurwa'i. Il dit nomme cette règle de labial, c'est-à-dire la dissimulation labiale. C'est-à-dire qui est en rapport avec les lèvres, parce que la lettre mi, son point d'articulation, c'est au niveau des lèvres. Donc, on a nommé cette règle par ce point d'articulation qui est les lèvres. Donc, on l'appelle la dissimulation labiale. Nomme donc ce ikhfa de ikhfa ash-shafawi. Ikhfa ash-shafawi, c'est-à-dire la dissimulation labiale de l'Qur'an pour ceux qui lisent le Coran. C'est un peu ça le sens des mots. Le sens général de ce vers est lorsque mim porte sukun et que cette mim est suivie de ba, on applique ce qu'on appelle al-ikhfa ash-shafawi. On doit dissimuler, on doit cacher la lettre al-mim. On doit cacher la lettre mim, donc dissimuler cette lettre. Et les savants, ils ont donné une définition, définition littéraire, c'est-à-dire, ils disent que al-ikhfa al-lughatan, dans la langue arabe, quand on parle de ikhfa, ça veut dire al-sitra, c'est-à-dire le fait de cacher, le fait de dissimuler une chose. Mais wastilahan, c'est-à-dire techniquement ou dans la pratique de at-tajwid, al-ikhfa huwa nutqun bi harfin bi sifatin bayna al-idhari wal-idgham 'arin 'an at-tashdid
مع بقاء الغنة في الحرف الأول. C'est quoi l'ikhfa? C'est le fait de prononcer une lettre à travers une caractéristique intermédiaire entre al-idhar, qui est la clarification, ou al-idgham, qui est l'assimilation. C'est-à-dire que al-ikhfa est une règle qui est entre, qui est intermédiaire entre les deux, al-idhar ou al-idgham. Nous allons voir à travers un tableau quelles sont les caractéristiques de al-idhar. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait idhar? Il y a deux choses. Al-idgham aussi, il y a deux choses. Donc, al-ikhfa vient prendre une partie de al-idhar et s'opposer à l'autre partie. Prendre une partie de al-idgham et s'opposer de l'autre partie. Donc, ça veut dire qu'il est entre les deux. Nous allons voir cela à travers un tableau, inshallah. Qu'est-ce qui veut dire être intermédiaire, être entre les deux? Nous allons voir cela à travers un tableau dans les cours suivants, inshallah. Il dit « arin anit tashdid » dépourvu de l'accentuation. C'est-à-dire que lorsqu'on prononce « al-ikhfa », il n'y a pas de « shadda », il n'y a pas d'accentuation. On doit lire la lettre « mim » de façon isolée, c'est-à-dire ne pas l'assimiler, ne pas l'introduire d'en bas pour devenir une seule lettre « mushaddad », c'est-à-dire accentuée, comme dans le cas de l'idgham. Donc, la lettre « mim » n'est pas introduite dans « al-ba ». Il n'y a pas donc de shadda, il n'y a pas de tashdid, il n'y a pas d'accent. Ensuite, il dit ma'abaka el ghunna, tout en préservant ce qu'on appelle la ghunna, le nasillement. Il faut donc faire le nasillement au niveau du mim, parce que les lettres de nasalisation, c'est de ghunna, c'est mim et nun. Donc, quand ba vient après nun, s'il y a ghunna, c'est au niveau du mim, pas au niveau du ba, parce que ba n'a pas de ghunna. Exemple, quand je dis tarmihimbi. Tarmihim, là il y a mim qui est venu. Ensuite, bihijara, il y a ba qui est venu devant. Il faut donc automatiquement appliquer la règle de al-ikhfa. Tarmihim bihijaratim. Il y a divergence entre les savants, c'est-à-dire de la manière de lire, c'est-à-dire de al-ikhfa. Il y a certains qui disent qu'il faut, laisser ce qu'on appelle la fourja. Il faut laisser un petit trou. Tarmihim bihijaratim. D'autres disent non. Al-ikhfa al-shafawi. Il faudrait que les deux lèvres se touchent. Donc, il faut appliquer l'une contre l'autre, mais pas avec force, pas avec insistance. C'est très important. Et nous allons voir, inshallah, à travers ce tableau, qu'est-ce qui est vraiment juste. Parce qu'il y a un docteur Ayman Ar-Rushdi qui a fait des recherches par rapport à ce trou. Et il a conclu que c'est de l'innovation. Ça vient d'un grand savant aussi qui avait eu ce qu'on appelle le Shubha. Donc, il a confondu et il a appliqué ce trou, cette fourja au niveau de Al-Mim, As-Sakin, lorsque Ba vient. Donc, il a fait des recherches. Il a trouvé que les prédécesseurs n'avait pas cette fourja dans leur lecture. Donc, ça venait de ce cher qui était très connu et très écouté. Donc, vraiment, ça s'est propagé à travers ses étudiants. Donc, ça veut dire que la fourja, ce n'est pas quelque chose que les savants, les lecteurs qui ont précédé ce cher appliquaient dans leur lecture. Donc, pour celui qui veut voir plus, il peut aller dans les vidéos de Dr. Ayman et au niveau d'Al-Ikhfa, Al-Shafawi, il va trouver cela avec une explication vraiment très large et très claire. Donc, cette fourja, elle n'a pas sa place au niveau de Al-Mim, As-Sakin, lorsque Ba vient après celle-ci. Quand je prends l'exemple, Wama hum bi mu'minin, Wama hum bi mu'minin. Certains vont se dire, mais attention, toi tu parles de dissimulation alors que tu clarifies, tu prononces mim. Voilà, tarmihim. Tu dis « him » et puis tu parles de dissimulation, tu parles de c'est-à-dire de cacher le mim. Oui, nous allons voir cela à travers la définition. « Ikhfa sifatun bayn al-idhari wal-idgham » Comment est-ce que « ikhfa » peut être entre les deux? Et cela, inshallah, c'est promis à travers un tableau. Nous allons donner beaucoup d'explications, plus d'explications sur cela, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, le cheikh, à travers ce vers, il dit « fal awwalul ikhfa'u »
عند البائي وسمه الشافعيه للقراء. La première règle, il dit, c'est la dissimulation lorsque ba vient après, c'est-à-dire lorsque ba suit, lorsque mim est suivi de ba, il dit wasamih shafi'a al-qura'i, nomme cette règle de dissimulation labiale, c'est-à-dire qui est en rapport avec les lèvres pour les lecteurs. Donc c'est un peu ça le sens. Quand mim sakina vient et que ba vient après, il faut appliquer ce qu'on appelle al-ikhfa al-shafawi et joindre les deux lèvres sans pour autant faire une application, c'est-à-dire sans insister sur l'application de ces deux règles. Tarmihim bihijara wa ma hum bimu'minin. Barakallahu fikum, nous allons marquer une pause et revenir juste après pour lire le Coran bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum jami'a. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce cours. Nous allons lire aujourd'hui la sourate Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر. Ici, صاد est venu, صاد est emphatique, elle porte sukun. Il y a ra qui est venu après, qui porte aussi sukun à l'arrêt, qui est aussi emphatique. Donc, la lettre ra ne doit pas apparaître, ne doit pas trop apparaître, parce qu'elle est précédée de sukun. Wala asr, il ne faut pas dire wala asr. Asr. Inna, nun mushaddada, il faut donc faire apparaître la runna. Innal insana. Ici, nun sakin est venu. Elle est suivie de asin, donc al-ikhfa, la dissimulation. Il faut donc dissimuler, il faut cacher nun. Innal insan avec runna. La fi khusr, khusr, là aussi, la lettre ra, elle est lue de façon emphatique à l'arrêt. Elle porte sukun. La fi khusr. Illa alladhina, là il y a shadda mais il n'y a pas de gunna. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, sadi emphatique, min huruf l'istila. Watawasaw, ici waw doit être lu de façon légère, il ne faut pas dire watawasaw, seulement sadi est emphatique. Watawasaw bilhaqqo, à l'arrêt. Et lorsque nous voulons passer, bilhaqqi watawasaw bisabr. N'oubliez pas, ba est une lettre de qalqala. Il faut donc faire ce qu'on appelle une frappe. C'est-à-dire, il faut faire la qalqala, bis sabr. Et ra aussi est lu ici de façon emphatique et avec sukun. On reprend. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. Qu'Allah vous bénisse et qu'il vous accorde beaucoup de savoir. Qu'Allah facilite la lecture. Qu'Allah nous fasse des gens qui lisent correctement le Coran. بارك الله فيكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.